Il est pile 8h11 sur Bretagne 5. Bonjour Christophe Hamon. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous out, à vous qui nous voyez et qui nous voyez pas, à terre tout et à terre tous. Oh. Je vous sens en forme ce matin. En pleine forme. Oh, ouais. Alors, la valise Bretagne 5. Oh, bah ça va rappeler une antenne consoeur. Voilà. Un matin, j'allons druger. Si Adam, j'allons druger. J'ai terroué une drugerie qui va marcher du diable. J'aurais ventilé de vous en causer avant, Frédéric, Stéphane et Nathalie. Hein? Va éventuellement être surpris? Ben un peu. Je vous le donne en vine. Je vous le donne en mille, la valise Bretagne 5. En voilà une sacrée bonne idée, hein? Bah, va être tout bien d'un coup, Stéphane, qui va faire? Ça a déjà été fait. Bah, ouais, mais j'avais peur que je dépense en des sous. Oui. Songez à votre respiration. Oh, Stéphane, restez au nous, valez pas terbeler, hein? Oh, pas à nez, pas à ce tour. De toute façon, j'ai pas le temps d'aller à votre enterrement. Bon, alors. La valou. Bretagne 5, la valise. Alors, qu'il y a dedans? Ah, ça c'est la question. Rien. C'est la valise de l'inflation. D'ailleurs, il n'y a même pas de valoche. Et pour la richolerie. là, Stéphane Guercaupi. Le Vladier, il va mieux. Il a terroué des coulours. Était un des blâmes pour druger, enterre nous. Ben, tant pis, j'allons druger quand même. Il n'y a pas de valoche, mais il y a de la drugerie. Alors, première assaou. Assaou, c'est épreuve en galop. Attention, il va avoir vraie souvenance de la ribambelle de chien qui était à la chasse au pout-pout. Eh oui. Frédéric. Ragout poupou, le ragout de mon pout-pout. Alors, je vais druger. Coucher, nom de diable. Je vais druger le Saint-Joux. Je vais jouer l'imitateur. Oh là. Le Saint-Joux en galop est l'imitateur. Alors, l'imitateur de chien, hein, pas l'imitateur de vitesse. C'était drôle. va falloir songer. Tiens, le chien de la ribambellée que j'imite. Va être prêt, va être d'assent. Allez, on est parti. Allez, là, il est parti. Plein pour Frédéric, Jean-Marie le vieux bulldog. Allez, deuxième. Waouh. Pourquoi? Nicolas. Un point pour Nathalie. Alors, troisième et dernier pour départager. Où va-t-il y avoir match nul, hein. Attention. Oh, Eric, ça c'est Eric, ça c'est Eric. Un point pour Stéphane, Frédéric le petit crochou. Eric le petit crochou. Tout le monde a gagné. Et comme chez Jacques Martin. comme récompense, j'avendrai une wowowerie. Une wowowerie. Ouais, allez, 2 minutes de wowowerie. Ne touchez pas à votre transistor, tout va bien. La wowowerie est finie. Allez, deuxième assaut. Deuxième épreuve, les messieurs et madame. Oh là. Les bourgeois et bourgeoises ont un effant. Vous êtes prêts? Oui. Allez, monsieur et madame Litté ont un enfant. Quel petit nom qu'ils lui ont donné? Al. Ah, Nenna, et pas à lui que je pensais. Anne-Lité. Ah, là c'est dur, voilà. Ah, Samantha. Samantha-Lité. Quand je vous disais qu'il était en forme. Deuxième, attention. Monsieur et madame Artaud. On t'en est fort. Celui-là, vous la connaissez, je l'avais déjà fait. Ah oui, mais alors là, elle est Monsieur dure. Monsieur Marteau. Allez, Stéphane. Ah là, non, mais là, Nathalie. Elle est dure. Plus tard.
Ou ta... Non. Oh, c'est pas mal. Arthur ou Thor. Arthur ou Thor. Là, je sais pas. Mais non. Là, je sèche. Vous je donnez sais... votre langue au, au Marcao. Oui. Bon alors, Pierre. Arthur Pierre. Oh là là. Oh, je sens trop fort. Et moi, qui d'un point là. Attention. Attention. Ouais. Attention. Et le la DRN, bourgeois et bourgeois, chette. Oh là. Monsieur et Madame Chet Antenefan, comment qu'ils l'ont nommé? Oh. Attention, il faut aller chercher l'un et là. Ah là là, attention. Ah là là, et le boutier final. Attention, là. Attention, non, mais là, ça va être très dur. Ça va être très dur. Chet, hein? Alors là. Alors eh bien, ça sèche autour du ça micro. Chet, achète. Yves! Chétive, je sais chétive. Oh là là. Bon, ben, ils vont tout gagner. Allez, à bientôt sur Botra 5 pour une nouvelle valoche. Allez, vlakini. Eh bien, c'était la valise version, version Christophe Hamon. Voilà, on a piqué un peu le concept à nos confrères d'RTL, hein, quand même. Ouais, mais il n'y a rien dedans, nous. Mais nous, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Eh bien, c'était Christophe Hamon et sa valise vide. Il y avait aussi autrefois la valise en carton, mais ça c'est autre chose. Ah, Linda de Souza. Et là c'était la valise. Connaissez vos classiques, vous, Frédéric. Et là c'était donc la valise vide. Nouveau concept très, très en phase finalement avec l'actualité et l'inflation. Bah ben, hein, voilà. Voilà, la valise vide. Ouais. Christophe... On reviendra de temps en temps. Je drugerai. Christophe qui convoquait aussi les chiens de la chasse au pout-pout. Voilà ce qui vous a réveillé, amis auditeurs, ce matin. Il est 8h17, couché. Alors, là, voilà. Vous écoutez bien Bretagne 5, on va essayer de retrouver notre sérieux, ils sont intenables ce matin. Il est 8h17, couché, c'était Christophe Hamon et c'est Toutou et sa valise. Couché, on vient de se lever. Que nous retrouvons demain de bonne heure et de bonne humeur. Bonne journée Christophe. Bonne journée. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.